la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Nous sommes rassemblés ici ce soir pour partager ce temps où la mort et le deuil font leur chemin au cœur de notre vie. Voici qui nous est donné ce temps de recueillement, de prière et d'écoute de la parole que Dieu nous adresse. Une parole d'encouragement et d'espérance. Voici, c'est aussi pour nous une manière d'affirmer notre volonté malgré tout. Jésus-Christ, prie. Dans le temps de Christ, Jésus-Christ, mort et ressuscité, nous en prions. Viens mettre ta paix dans nos cœurs blessés. Soutiens notre foi et fais-nous sentir ici et maintenant la force de ton amour. Amen. Nous pouvons chanter le cantique numéro 2. Ses enfants et
toute sa grande famille. La mort est toujours un événement très douloureux pour l'être humain. Quel que soit le moment où elle survient, mais malgré la grande force avec laquelle elle nous atteint, elle n'est pas victorieuse. L'Esprit de Dieu qui habite en nous nous donne le droit que la vie qui nous est promise est une réalité qui déborde toute notre existence. Voilà pourquoi je nous invite à entendre ces paroles du psalmiste. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon confort. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Et nous te demandons de nous faire sentir tout particulièrement ta présence à nos côtés. Rends-nous proches les uns des autres, afin que nous puissions nous soutenir maintenant et pendant les jours qui viennent. Permets-nous, au cœur de la souffrance, de découvrir la puissance de ton amour, qu'il soit pour nous la source de l'espérance. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a laissé cette prière et que nous pouvons te dire comme une voix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Thank you.
Yeah.
Chantier de renouer les relations avec les églises. Chantier de renouer les relations avec le conseil des églises, le conseil des communes de l'église, le cours. Chantier de renouer les relations avec la CIMA. Chantier d'assainir les relations avec a été aussi
pasteur sont Jean-Émile, modérateur de la 60e Assemblée de Bâche, et le grand pasteur. Le grand pasteur n'a pas commencé la vie. Et je crois que Dieu, comme pour Moïse, il a dit, tu verras Canaan, mais tu n'en trouveras pas. Ta mission, c'est avec Canaan. Tu as beaucoup travaillé. Tu as beaucoup fait. C'est pour ça que je vous tout à l'heure. Cette tristesse est un mélange de tristesse et de joie. C'est un combattant. Malgré tous les harcèlements qu'il a vécu dans son ministère. Mais il s'est accroché à Dieu comme Jacob l'a fait quand il était avec Dieu. Jusqu'à ce que sa hanche le boite. Il a dit à Dieu, je ne te laisserai pas partir sans que tu me dises ton nom. Jean-Émile Vincent s'est accroché à Dieu jusqu'à ce qu'il ait posé la pierre que nous espérons tous pour en produire des fêtes et des fruits du monde. Il n'a pas été malade en venant de Canaan parce que je suis allé l'accueillir. Puisque je l'ai dépensé, j'étais au Cameroun. Et quand cette mission a été organisée, je me suis dit, et je leur ai proposé que je ne peux pas voyager avec eux, et que je vais dépenser le fait que je pourrais les accueillir. Et je suis donc venu, 3 jours avant, je l'ai accueilli. Sans aucune difficulté, sans aucune appréhension. En nous appuyant, j'ai voulu prendre sa valise avec la roulette. Il me dit, papa, non, pas toi. Avant nous te suivons. Donc, s'il était souffrant, il ne m'aurait pas dit. Ça se serait manifesté. Initialement, on devait commencer notre mission à Lyon. Comme les rendez-vous étaient pris à Paris, il fallait donc que nous nous rendions à Paris. Et j'avais proposé au modérateur que nous nous divisions en 2 équipes pour que les Lyonnais ne se sentent pas isolés, qu'ils avancent et nous les suivrons de même. Mardi à samedi. Compte tenu du temps que vous avez parti, je ne peux pas vous dire pour raconter toute la genèse de ce qu'il y a. Ce qui a frappé le grand pasteur Jean-Émile de Sanson, c'est une méningite à pneumocoque. Foudroyant. En quelques jours, il a été emporté. Nous avons, nous en France, en Europe, nous sommes en deuil. Le consistoire européen est en deuil. L'EPC est en deuil. C'est à eux qui
pasteur Pierre Molina a pu se joindre à nous aujourd'hui. Et nous le disons tous, qui avait répondu à cet appel, merci pour cette forme de solidarité, mais que nous puissions tirer un enseignement qui nous permette de pouvoir développer, de vivre ensemble. Nos querelles intestinales, nos réactions épidémiques ne nous servent à rien. Il faut que nous nous réunissions dans la fraternité en Jésus. Si nous disons que nous sommes comme des chrétiens et que nous puissions suivre cette pas, nous allons sortir de cette salle. Après avoir manifesté cette solidarité, à peine franchi le seuil de cette porte, nous allons retomber dans nos tentations, dans nos considérations primaires. Un enseignement. Si vous avez connu ce pasteur plein de vie et qui a stimulé les choses autant que vous, de voir partout comme ça, il veut être pour nous un grand enseignement, une grande leçon de moi. Donc, je ne savais même pas si je peux le prier devant vous et parler, parce que la peine qui me saisit, je ne peux pas savoir comment. Merci d'avoir répondu à cet appel. Merci de continuer à nous soutenir et que Dieu obéisse. Bonsoir. Quand il a été admis au séminaire, son père l'a amené, il m'a dit, voici ton fils, que je sois en vie ou pas, tu le confies. Mais je prends aussi la parole au nom de la famille, parce que papa, surtout, son père m'a fait responsable de sa famille. Quand il y a quelque chose dans la famille du pasteur Dudo, c'est
spécifié, mais aussi comme père charnel dans la famille. Nous passons son, il meurt à 52 ans. Très jeune. Et à sa 26e année de ministère pastoral. Il est une femme. Je ne voudrais pas qu'on l'appelle veuve. Elle a 40 ans. Et avec elle, trois enfants. L'aîné a 12 ans. Et avec à 7 ans, la deuxième à 5 ans. Donc, il est normal que j'ai un bas âge. Passer son été est un homme c'est une très puissante. En très peu de temps, il a abattu un travail qu'on ne pouvait évaluer dans tous les plans. Mon travail de conservatoire, mon docteur Monsieur Bassa Kamou, mon docteur de l'Assemblée générale de la Musée. Très charismatique. Il a fait du ministère de la délivrance sa principale préoccupation. Parce que très sensible à la souffrance des autres. C'était un ministère très difficile, le ministère de la souffrance. Tu es obligé de tout dire. Tu es obligé de sacrifier pour que l'autre soit bien. Il y a des responsabilités. Il assumait en tant que pasteur de l'Église, donc responsable des communauté paroissiale. Il était berger principal des cellules de prière. La cellule Chico. La cellule Anna, celle qui se réunit à la paroisse d'Atlan. Il avait une cellule à l'Isica. Il avait une cellule en local. Il avait une cellule dans sa nouvelle communauté qui voulait. Donc c'est quelqu'un qui travaillait sans détache. Il a été très meilleur. Généralement, les personnes qui sont brillantes s'attirent les foules. Thank you.
qualité d'office que tu nous as permis de vivre ce soir ici. Pour le prédicateur, la prédication de l'église, pour la famille de l'église, pour tous les amis qui l'entourent, pour le jour de cette famille, pour les pasteurs. C'est pour cela, c'est